Carole Roy. Bon, là, je me présente. Moi, c'est Luc Lévesque. J'avais à peu près 13-14 ans. J'ai eu comme un petit coup de foudre. J'ai vu quelqu'un jouer en avant de moi, puis ça m'a très impressionné. Puis c'était clair dans ma tête. J'allais jouer à l'équitable à partir de ce moment-là. Je me suis ramassé chez l'orienteur, puis il m'a posé la question fatidique, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? La musique. Fait que pourquoi tu vas pas en musique? Finalement, ben j'ai étudié la contrebasse ici au Collège Allemand. Moi, je trouve que c'est un privilège de faire. C'est un travail qui est très, très stimulant. C'est un travail qui est valorisant. Parce que souvent, on part avec des gens qui ont leur motivation, ont leurs aptitudes. Et puis, on constate un an après ou deux ans après de où on est parti puis là où on est rendu. On a quand même un suivi qui est quand même personnalisé hein, pour chacun de nos étudiants. On fait des réunions départementales. On parle de tel étudiant, puis comment il va dans ses cours. On a vraiment un souci que ces étudiants-là réussissent. Que peu importe où quand ils arrivent ici, qu'ils soient plus faibles ou plus forts au point de vue théorique ou au point de vue pratique. Moi, j'étais étudiant, puis de ce qu'on fait maintenant, je pense qu'on est plus collé sur la réalité maintenant. On est plus en mesure de donner une formation peut-être plus proche du marché du travail. On les forme pour aller sur le marché du travail. Ils vont être capables d'utiliser des logiciels pour faire de la musique sur ordinateur, être capables de faire de la musique de films ou de jeux vidéo ou des jingles de publicité. Ils sont capables de manipuler un studio d'enregistrement, d'être capables de produire aussi et d'utiliser la technologie scénique aussi également. Ils continuent leur développement, leur polyvalence instrumentale puis leur perfection instrumentale aussi de leur instrument principal pour être capables d'être performants là-dedans. On te demande de jouer du blues, si tu vas être crédible, du funk, du jazz. Du pop. Un musicien professionnel, c'est ça qu'on vise.